Parce que je voudrais apporter le salut de quelqu'un. C'est l'adjudant chef Obakiti Seydou. Je suis son avocat. Il est actuellement en prison. Ça fait 4 ans qu'il est en prison. J'ai fait tout pour le sortir il y a 2 ans. On l'a quand même enfermé. Je suis allé à Abuja, au Nigeria, pour le défendre. Et la Cour de justice de la CEDEAO à Abuja a décidé qu'on le sorte. Hein, le pouvoir RPD Uni refuse de le sortir. Il m'a demandé de vous dire que c'est vous qui pouvez le sortir. Pour le sortir, vous votez pour tous ceux qui l'ont mis en prison pour qu'il puisse sortir. Il faut voter contre ceux qui le maintiennent en prison pour qu'il puisse sortir. Je l'ai vu hier, j'ai discuté avec lui, il vous envoie son bonjour. Il dit que malgré tout, il se porte bien, ayez confiance en lui, il a confiance en vous. Il vous demande de voter pour lui. Il vous demande, en votant pour les gens du CNT, de voter pour lui. C'est le message que j'ai amené spécialement de nommer de la chef. On va dire, c'est nous. Pour vous. Il vous demande également que vous soyez vigilants. Parce que si vous voulez vraiment le changement, il faut que tout en bas se lève pour voter pour le changement. Il demande également que vous soyez vigilants pour que vos votes, vos voix ne soient pas volées. Parce qu'il sait comment on fait pour voler les élections ici. Il demande que vous soyez vigilants pour qu'on ne vote pas ce que vous devez faire ce jour-là. Et que lorsqu'on va programmer un résultat, ce soit ce que vous avez fait, ce que vous avez mis dans l'urne, que ce soit ça qui soit programmé. C'est pour ça qu'il vous demande d'être vigilant, d'être là, d'aller voter et de rester là-bas. De ne pas quitter les bureaux de vote. De rester là-bas jusqu'au dépouillement. D'assister au dépouillement. De voir afficher les résultats.